Parce que Seigneur, durant les un mois que nous entamons aujourd'hui, tu feras des merveilles dans la vie de quelqu'un. Seigneur, tu vas bouleverser la vie de quelqu'un. Seigneur, tu nous donneras à la fin de ce mois d'être tout feu, tout flamme. Nous serons chauds. Nous serons bouillants. Nous allons exercer l'autorité. Parce que Seigneur, tu vas ouvrir les yeux de mes frères ici présents. Tu leur donneras, Seigneur, de passer des ténèbres à la lumière. Tu nous donneras, Papa, de passer des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à ton autorité, à l'autorité de Christ. Et Seigneur, tes enfants régneront. Tes enfants domineront. Tes enfants combattront. Tes enfants auront la victoire. Seigneur, je me recommande à toi. Je ne suis qu'un simple instrument. Je ne suis qu'un simple vase que tu veux utiliser. Père, je prie en ce moment que l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui descend en haut, l'onction qui a coulé en ce jour de Pentecôte, descende maintenant sur moi au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie que ta parole soit du feu dans les cœurs, que ta parole ait de l'autorité dans les vies, que ta parole pénètre les esprits pour libérer les corps au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes là. Ce soir, nous entamons une série, nous allons entamer une série d'études. Mais je vais vous donner des illustrations. Nous voyons dans la vie souvent des agents de police réglementer la circulation. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'agent de police se présente au milieu du carrefour et il commence par réglementer la circulation. Et quand il réglemente la circulation, qu'est-ce qu'il fait? Il a autorité sur tous les usagers de la voie. N'est-ce pas? Que tu sois autorité, que tu sois directeur ou que tu sois un simple citoyen, tu es obligé de t'arrêter à l'action de l'agent de police. Donc l'agent de police exerce une autorité. Nous allons également prendre une illustration. Les papas à la maison, nous sommes des papas. Vous avez des papas et des mamans, notamment des papas. Souvent, quand le papa arrive, on sait que l'autorité est là. Le papa, c'est l'autorité dans la maison. N'est-ce pas? Également, nous allons prendre une autre illustration. Nous avons des directeurs de société. Quand les directeurs arrivent et que les agents sont dans la société, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ah, attention, le directeur arrive. Le patron arrive. Et tout le monde essaie de se venger. De la même manière, mes bien-aimés frères, le chrétien, ou du moins le disciple de Christ, a une autorité. Amen. Le disciple de Christ, le véritable enfant de Dieu, a une autorité. Mais, certains l'ignorent. Je me rappelle des années passées, des années très, 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 très loin, quand j'étais encore dirigeant de villa, parce qu'à l'époque, on dirigeait les cellules dans les villas. Et j'étais dans la villa Tchafaro. Avant d'aller à la séance, je prends le temps pour prier. Et j'ai prié en ce jour. Mais dès que j'ai mis mon pied sur le marche-pied de la cité, c'est la cité A. C'était à l'époque la cité A. C'était la seule cité qui existait à l'époque. Quand j'ai mis mon pied a touché le marché de la cité, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, tous les démons sont en fuite. L'autorité de Christ a été manifestée. Amen. J'ai entendu en même temps que tous les démons sont en fuite. Du
durant tout le mois, nous parlerons de l'autorité du disciple de Christ. On va lire des versets. On va d'abord lire Marc chapitre 16. Lisons dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. C'est ce qu'on vient de lire. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Vous voyez, ici, dans ce passage, le verset n'est pas au complet. Dans d'autres versions de la Bible, ils disent, ils saisiront des serpents et ils ne seront pas blessés. C'est ce qui est dit. Ils saisiront des serpents et ils ne seront pas blessés. Ils ne seront pas mordus par les serpents. Voilà ce que Jésus a dit aux disciples avant de partir. Luc 10, verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Je vais dire à partir du verset 17, pour que vous compreniez un peu. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mes chers frères, pourquoi le thème l'autorité du disciple de Christ? Pourquoi? 1. La promesse que nous venons de lire, est-ce que cette promesse s'accomplisse-t-elle dans nos vies? C'est la question qu'on peut se poser. Autre chose, mes chers frères, nous sommes dans un combat spirituel. Et pourtant, bon nombre de disciples de Christ l'ignorent. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour faire quoi? Je vous pose la question. En réalité, quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour faire quoi? Qui peut me répondre? Oui? Pour l'adorer. Voilà. C'est pour l'adorer. C'est la réponse que nous avons. Mais en réalité, nous venons dans la maison de Dieu pour être équipés spirituellement. Vous me suivez un peu? Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour que nous soyons équipés spirituellement pour aller faire face aux défis de la vie. C'est pour ça. Quand quelqu'un va en atelier de formation, quand vous allez en atelier de formation, c'est pour que vous soyez formé pour quelque chose. Alors, quel est le but de ce message? Ou bien, quel est le but de ce thème? Nous allons vous amener à exercer de façon réelle et pratique l'autorité du disciple de Christ. Vous me suivez? Et pour cela, vous devez venir avec un calepin et avec la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Nous allons vous donner une série de messages pendant ces 4 semaines, pendant ces 4 dimanches, et qui vous montrent
montrerons pas, qui nous donne, qui nous amènera à vous montrer les moyens par lesquels nous pourrons exercer cette autorité de Christ. Ce soir, je vais commencer avec un point. C'est le premier message de ce soir. Voilà le message de ce soir. Disciple de Christ, où est passée ton autorité? Disciple de Christ, où est passée ton autorité? Où est ton autorité? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de disciples de Christ aujourd'hui ont perdu leur autorité. Il y en a ici. On est plein ici. Nous allons le voir au travers du message. Les disciples de Christ à l'image de Jean. C'est le premier point. Oh, il y a plein de disciples de Christ aujourd'hui à l'image de Jean. Deuxième point, les Saül du 21e siècle. Les Saül du 21e siècle. Et le troisième point, les disciples recherchés par Dieu aujourd'hui. Vous allez la voir. Je dis, vous l'aurez. Les disciples recherchés par Dieu aujourd'hui. Premier point, les disciples de Christ à l'image de Jean. Vous connaissez Jean, non? Nous connaissons tous Jean. Vrai ou faux? Je vous pose la question. Nous connaissons Jean. Nous connaissons l'histoire de Jean. On va dire la parole de Dieu. On va d'abord dire qui est-il? Qui est Jean? Qui Jean est? Disons dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, le verset 1. Jean 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ours un homme qui s'appelait Jean. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Jean était riche. Vous savez ça, non? Vous le savez, non? Il était très riche. Extrêmement riche. Mais, regardez comment Dieu l'introduit dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures. Dieu n'a pas dit que non, il y avait un homme dans le pays tous, un homme qui était extrêmement riche. Il s'appelait Job. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, hein, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job avait une vie de sainteté. Il vivait dans la pureté. À telle enseigne que Dieu l'a remarqué du ciel. Verset 8. Disons le verset. Verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous avez vu comment Dieu parle à Satan? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. On va faire analyse grammaticale de la phrase. Dieu dit, hein, il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire quoi? Analyse grammaticale de la phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Job était le seul être à l'époque là qui soit comment? Intègre et droit devant Dieu. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce que Dieu a dit de lui? Alors, la question que vous allez vous poser, pourquoi ai-je intitulé cette partie les disciples de Christ à l'image de Jean? Jean était intègre et droit. Pourquoi?
C'est parce que Job est passé par une épreuve difficile. Vous le savez, non? Vous le savez, non? Job, Satan a demandé la permission à Dieu de l'afficher. Et il a été affiché. C'est là qu'il y a le problème. C'est là que se pose le problème de Job. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples de Christ aujourd'hui sont à l'image de Job. Les gens vont me dire que oui, c'est Dieu qui a décidé. Satan a demandé la permission à Dieu de le toucher. Écoutez, regardez, disons encore. Regardez, verset 8, on a déjà vu. Disons le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous avez vu, sur le plan où Satan a amené la question, sur le plan matériel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux, autant pour moi, couvre le pays. Mais étant ta main, Dieu étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu ne peut pas étendre sa main et toucher, c'est impossible. Parce que Dieu ne veut pas le mal de l'homme. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je te le livre. Je te le livre. Dieu dit qu'il le livre à Satan, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan a reçu quoi? L'autorité de Dieu pour aller agir. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Oui. Satan a reçu la permission, pas l'autorité, la permission de l'Éternel pour aller agir dans la vie de Job. C'est là que les chrétiens vont me dire que Job ne pouvait plus rien faire. Je vais vous montrer par la parole de Dieu que Job pouvait agir. Job pouvait plus agir à l'époque pour changer le cours de l'histoire. On va voir des exemples. On va considérer maintenant les Écritures. On va aller dans 1 Samuel chapitre 1. Disons, allons dans 1 Samuel chapitre 1 pour vous dire, pour vous montrer que le cas de Job, ce que Job a vécu comme situation, était un peu alarmant. C'est à l'image des chrétiens aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 1, le verset 4. 1 Samuel chapitre 1, verset 4 et le verset 5. Le jour où Elkana offrait, 1 Samuel chapitre 1, le verset 4 et le verset 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne. Que l'Éternel, avec quoi? Que l'Éternel avec quoi? Que l'Éternel avec quoi? Que l'Éternel avec quoi? Qui a rendu stérile Anne? Mais Anne a prié pour changer le cours de l'histoire. Vous me suivez? C'est l'Éternel même qui a rendu stérile Anne. C'est l'Éternel qui a dit que Anne, tu ne vas pas enfanter. Mais un beau matin là, un jour là, une année là, l'Éternel a dit, Dieu, cette histoire-là, ça va changer. Alors que dans le cas de Job, c'est Satan qui est allé demander la permission à Dieu. Mais Job est resté passif dans la situation pendant plusieurs années. Si Dieu a parlé dans la vie de Anne et que Anne a changé la situation, c'est une femme d'autorité. Elle a exercé l'autorité de Christ. Nous allons les exercer également au nom de Jésus. Amen. Je vous dis, à la fin de ce mois-là, nous serons des femmes tout feu, tout plat. Nous serons des jeunes tout feu, tout plat. Quand nous passerons sur le campus là, les gens sauront que nous passons. Amen. Quand nous étions sur le campus là, les gens nous connaissaient. Hein, le feu là.
le feu là, tout feu, tout là, partout où on passe, le feu restait. Quand on était sur le campus, quoi? Campus, à notre époque, on a tous aimé. On a tous aimé dans le campus par voir. Un caméra, c'est pas vrai. Impossible. Impossible. Le grand frère est là-bas. Le frère Laurent est là-bas. En votre temps, dis qu'on ne peut pas prier sur le grand campus, c'est impossible. What? On va aller dans la chambre. Tout peu, tout là, ça va changer. Même le ministre à l'époque avait pris une décision. Il avait pris une décision pour interdire les établissements. On a prié, les choses ont changé. Pourquoi ça ne change pas dans votre cas? Pourquoi aujourd'hui ça ne change pas? Où est passée votre autorité? Je vous pose la question, où est passée votre autorité? Vous allez redevenir l'autorité et l'exercer à la fin de ce mois au nom de Jésus. On vous a chassé du campus, maintenant c'est à la lisière du campus. Tous les groupes sont à la lisière du campus. Oh, excusez-moi. Ouais, je ne te bouscule pas, j'espère. Anne, qui a parlé non? Dieu. Qui a parlé non? Dieu. Qui a rendu stérile Anne? Dieu. C'est l'Éternel. Mais elle a changé la situation. Mais ce que Job l'a fait, Job ne l'a pas fait. Ce que Job a pu faire, quand Dieu a donné, quand Dieu a encore repris, gloire soit rendue à son nom. Job chrétien, ça va changer. Amen. Ça changera. Amen. Vos situations changeront. Amen. Nous allons nous faire des rêves pour changer les situations. Amen. Mais avant d'arriver là, on va passer par les étapes. On va voir un autre cas. Disons, allons-y, Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Verset 1. Ésaïe 38, verset 1. Vous me suivez? En ce temps-là, Ézéchias fut malade, comment? Dites-le fort là. En ce temps-là, Ézéchias fut malade. Je le dis encore autrement. Il était gravement malade. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, il n'est pas venu prier pour lui. Et lui dit, parce que c'est un prophète, il reçoit la parole de l'Éternel, il parle. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel. À qui? Il parle à qui? À Ézéchias. C'est ce qu'il dit. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ainsi parle qui? Ézéchias. Écoutez ce que Job a dit. Vraiment, Job, on est à l'image de Job aujourd'hui. Hein? Nous vivons des situations difficiles et on se résigne à la situation. On se dit, ah, c'est Dieu qui veut. Ok, c'est mon destin. Ce qu'il veut, il n'a pas le faire. Je vais rester comme ça. Il y a des seuls qui sont là, qui ne sont pas mariés. Et c'est ce que Dieu veut. Ok, il n'y a pas de problème. Ah bon, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Si Dieu a changé la situation de Anne, il doit changer ma situation. Si Dieu a touché Anne, si Dieu a parlé du haut des cieux et a touché la vie de Anne, il doit aussi changer ma situation. Écoutez ce que Job dit. Disons dans Job chapitre 1. Job 1, verset 20 à 22. Job chapitre 1, verset 20 à 22. Après que les événements sont survenus dans sa vie, alors Job se leva. Quelle est la dernière nouvelle? Hein? La mauvaise nouvelle. Lorsqu'il a écouté, alors Job se leva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il déchira son vêtement, son manteau, et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.
L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Lisons aussi chapitre 2. Verset 7 à 10. Là maintenant, Satan est venu encore demander la permission pour toucher maintenant son corps. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Qui a frappé Job d'un ulcère malin? Satan. Qui a frappé Job d'un ulcère malin? Satan. Est-ce que c'est Dieu? Non. Est-ce que c'est l'Éternel? Non. Est-ce que c'est Jéhovah? Non. Qui a frappé Job d'un ulcère malin? Satan. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc il était couvert d'ulcère. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. Et la femme et Job étaient des aveugles spirituels. Les deux combinés, une seule chair, aveugle spirituel. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. D'ailleurs, il a placé ça sur Dieu. Il a fait une mauvaise analyse de la situation. Il a oublié que le combat était un combat spirituel. Il a oublié. Il y a le cas d'Abraham où il était assis un jour à la devanture de sa porte. Subitement, il a vu devant lui trois hommes s'arrêter. C'était Dieu qui passait. Et Dieu l'a visité, Dieu a discuté avec lui, a échangé avec lui. C'est là que Dieu lui dit que ta femme, dans les prochaines eaux, à pareil moment, va enfanter. Et sa femme a ri. Vous vous souvenez, non? Sa femme a ri. Maintenant, Dieu devait partir. Et ils ont dit non, ils ne vont pas partir sans révéler à Abraham ce que nous voulons faire, aller faire à Sodome et Gomorre. Nous allons à Sodome et Gomorre pour détruire la ville. Dieu a décidé depuis le très haut de détruire Sodome et Gomorre. Et ils ont révélé ça à qui? À Abraham. Et quand ils ont révélé ça à Abraham, Abraham s'est tenu devant Dieu. Mais en réalité, quel était l'intérêt d'Abraham dans cette affaire? Sodome et Gomorre, ce n'est pas là qu'il vivait. Il vivait dans une autre ville. Mais Abraham, la Bible dit que Abraham a changé la situation. Quel chrétien es-tu? Est-ce que tu as l'image de Job? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Que vis-tu actuellement? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu traverses? On a des sœurs, on a des frères, on a des bien-aimés. Ils vivent dans la pureté, dans la sainteté. Je ne dis pas cela qui vivent une ou rien, non, je ne dis pas ça. Il y a des frères et des sœurs qui vivent dans la pureté, dans la sainteté, qui sont réellement enfants de Dieu, mais qui subissent des situations dramatiques. À l'image de Job, je vous dis que le combat est spirituel. Il y a quelqu'un, sa mère est derrière. Sa mère est à l'œuvre derrière. Dieu est Dieu. Écoutez, on va encore lire dans Job, chapitre 8. Dieu a examiné, a vu Job. Vraiment, Dieu est Dieu. Les trois amis sont arrivés, les trois amis de Job sont arrivés, ils ont commencé par accuser Job. Job aussi parlait, Job aussi. À tel enseigne que Job, à un moment donné, a commencé par se plaindre. Écoutez ce que Job dit. Je vous dis que Job a subi la situation. Job chapitre 3, verset 1. Job chapitre 3, verset 1. Job chapitre 3, verset 1. Quelqu'un à la page? Quelqu'un me suit? Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et Job avait pas à maudit le jour de sa naissance. Alors que Satan avait dit ça.
que touche le toit, il va te maudire. Mais il n'a pas maudit du lisier. Il a commencé par maudire le jour de sa naissance. Et puis la parole lui dit, périsse le jour où je suis né. Hein? Est-ce que c'est possible? Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu, ce jour qui se change en ténèbres, et que Dieu n'avait point souci dans le ciel. Lisez tout Job dans le roi. Job chapitre 3 dans le roi. Disons le verset 12. Disons le verset 12. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? C'est Job qui pose la question. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Et des mamelles pour m'allaiter? Job était dans les plaintes et dans les complaintes. Ce n'est pas la bonne manière. Dieu l'a laissé, il a laissé ses amis parler, il a entendu Job parler. Job a fait quand même des monologues, il a parlé à lui-même, il s'est parlé pendant longtemps, et Dieu a envoyé Eliud qui a aussi parlé, et après maintenant Dieu même intervient. Job chapitre 38, disons ce que Dieu a dit à Job, chapitre 38, verset 3. Job 38, verset 3. Job 38, verset 3, ça c'est Dieu qui parle. Dieu lui dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Vous avez vu? Il dit quoi? C'est terrain comme un vaillant homme. Quand on dit le Saint-Terrain, c'est-à-dire que, en ayant dit, à Blavodie, c'est ça non? C'est terrain comme un vaillant homme. Job, tu te plains trop. Tu as trop subi la situation. C'était vraiment un vaillant homme. Et Dieu lui a posé des questions. Lisons encore dans Job chapitre 40, versets 1 à 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Job, c'était vraiment un vaillant homme. Ma soeur, mon frère, vis-tu une situation? Es-tu en train de vivre une situation? Dieu te dit de celle terrain comme un vaillant homme. Dieu te dit, ne te laisse pas engloutir par la situation. On a fait le campus, hein? Je me souviens, quand nous étions en quatrième année de droit, je me rappelle, les professeurs étaient en délibération. Et un était sorti et il disait que c'était chaud. Je me souviens d'un frère, actuellement il est aux États-Unis. Et quand le frère a écouté ça, il me dit, frère Olivier, moi j'ai échoué. Quand il a dit ça en même temps, le mot échoué là, moi dans mon esprit j'ai brisé ça. J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est lui qui a échoué. Moi je n'ai pas échoué. J'ai dit, Seigneur, aussi longtemps que mon nom n'est pas sur la liste, ils ne vont pas finir la délibération. Ils ont fait la délibération et ils ont proclamé. Effectivement, mon nom était sur la liste, mais mon ami a échoué. Vous me suivez un peu? Dieu vous dit que le combat est spirituel. On ne doit pas se laisser engloutir par la situation. Impossible. Non. Nous ne devons pas être des gens du 21e siècle. Il y en a qui se plaignent de trop. Oh Dieu, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Laissons les plaintes. Faisons face à Dieu. Deuxième point. Les allures du 21e siècle. Qui es-tu? Faut t'examiner. Es-tu Job? Ou bien es-tu Saül? Pour Saül, la cause est encore grave. Pour lui, c'est encore grave. Les saluts du 21e siècle. Qui est Saül? Saül, on va voir qui il est dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 15. 1 Samuel chapitre 9, verset 15. Or, un jour, 1 Samuel chapitre 9, verset 15
à partir du verset 15. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, écoutez ce que Dieu dit de lui, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'au bout, jusqu'à moi, excusez-moi. Lorsque Samuel lui aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Autrement dit, Saül avait été choisi directement par Dieu. Samuel ne le connaissait pas. Et Dieu a donné les indications précises sur Saül. Dieu nous connaît. Hein? Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun de nous. Hein? Est-ce que vous le savez? Dieu connaît ton nom, ton prénom, ton âge, ta maison, là où tu résides. Dieu nous connaît avec précision. Ton ennemi, Dieu connaît. Dieu nous connaît. Avant que Saül n'arrive, Dieu a dit à Samuel, il lui a donné son nom, sa description, son origine. Et quand Samuel a vu Saül, Dieu lui a dit, voici l'homme dont je vais parler. Dieu parle. Beaucoup ne savent pas que Dieu parle. Je dis que Dieu parle. Dieu parle à ses enfants. Je me souviens, j'étais quelque part. Je prêchais la parole. C'était dans un village, à Tio. C'est l'année passée, hein? Oui, l'année passée. L'année passée, en mois de mars, ou quoi, je ne me rappelle plus. On est à quel point là? On est à quel point? On est en juin. Juin 2021. Ah, vous voyez, 2022. Ok? C'est l'année passée que j'annonçais la parole. Et quand je prêchais en français, ils m'ont affecté une demoiselle pour l'interprétation. Et quand j'ai commencé à prêcher, je m'arrête, je lui pose la question, tu fais quelle place? Elle dit terminale. Tu vas réussir. Subitement dans la prédication, je me suis arrêté. Tu fais quelle place? Elle dit terminale. Tu vas réussir. Dieu me dit de te dire que tu vas réussir. Tu vas réussir au bac. Tu auras du succès au bac. L'année passée de mars 2021. Et je lui ai dit, n'aie pas peur. Tu vas réussir, ma fille. Tu réussiras, ma fille. Tu vas réussir même d'emblée. Et quand je parlais, alors qu'elle avait deux vies de moyens, ça chauffait. C'est l'idée. Je ne savais pas. J'ai parlé, j'ai dit les paroles. Et j'ai dit, n'aie pas peur. Je te dis que Dieu te dit que tu vas réussir. Dieu parle. Amen. Effectivement, la demoiselle a réussi. Amen. Elle a réussi d'emblée. Amen. Elle passe le bac pour la première fois. Elle passe d'emblée. Elle a dit ça en même temps à son grand frère. Et c'est après que je me rappelle, je dis, mais attends, est-ce que la fille a réussi? J'appelle son grand frère. Son grand frère me dit, oh, pardon. Pardon, j'ai oublié de te dire que ma soeur a réussi. Je te dis que Dieu parle. Amen. Il a parlé à Samuel. Dieu a parlé à Samuel. Il n'a jamais vu Saül. Dieu lui a parlé. Dieu a choisi Saül. Mais pourquoi Dieu dit qu'on ne doit pas être comme Saül? Pourquoi dis-je qu'on a des Saül du 21e siècle? Saül est devenu roi en Israël. Un monsieur là apparaît un beau matin et il effraie tout le monde et il effraie même Saül. Vous le connaissez dans ce monsieur? Goliath. Un beau matin, il apparaît et il effraie le roi Saül
toute son armée, tout le monde est effrayé. Quand il apparaît comme ça, tout le monde tremble. Saül aussi tremblait. Et on a des Saül de nos jours. Nous tremblons devant les situations. On tremble devant les situations. Où est passée ton autorité? Où est ton autorité en tant qu'enfant de Dieu? Où est notre autorité en tant qu'enfant de Dieu? Mais nous avons l'autorité. Vous ne savez pas qu'on a l'autorité? Non, vous ne savez pas. Mais Dieu vous dit qu'on a l'autorité. Mais quand je fais la main comme ça, mais le feu sort, vous savez ça? Voilà, quand je fais la main comme ça, Jésus vient, le feu sort. Amen. Le feu sort. Le fire sort. Ça sort. Ça sort de ma main. Vous ne savez pas? Vous avez l'autorité? Mais nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité que nous devons exercer. Mais quand je me tiens, mais quand je mets mon pied à la cité A, j'ai mis mon pied comme ça. En même temps, quand j'ai mis mon pied, j'ai entendu tous les démons ont fui. Qui suis-je? Moi là, qui suis-je? C'est au Cotorico. Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi, Jésus-Christ en moi, qui m'a donné cette autorité. Quand j'ai mis mes pieds comme ça, qui comme ça, là, j'ai entendu. Tous les démons sont enfuis. Nous avons l'autorité. Amen. Je dis, nous avons l'autorité. Amen. Tu as l'autorité. Amen. Elle a l'autorité. Amen. Il a l'autorité. Amen. Nous avons l'autorité. Amen. J'ai l'autorité. Amen. Je dis, j'ai l'autorité. Amen. Nous avons l'autorité. Amen. Nous allons l'exercer. Amen. Et partout où nous passerons, le feu va nous suivre. Amen. Les gens sauront qu'on est passé par là. Amen. Les gens sauront qu'on va laisser des traces derrière. L'autorité est là. Amen. Mais nous, je vous dis qu'on a l'autorité. Amen. J'ai écouté un témoignage fantastique. Le monsieur était dans l'avion. Dans l'avion! Même dans les airs, on a l'autorité. Est-ce que vous avez là? Mon ami, tu as l'autorité. Ceux qui voyagent là, vous avez l'autorité. Dans l'avion, l'avion était en haut. Ceux qui prennent les avions là, vous savez ce que c'est. On dit quoi? On a dit quoi? La vitesse de croisière. C'est ça, non? Quand on a dit la vitesse de croisière, oh, il y avait un frère en Christ dans l'avion. Un frère en Christ dans l'avion. Je dis, hein, il y avait un frère en Christ où? Dans l'avion. Maintenant, quand ils voyagent ici à Tchéké, là, que Tchéké, même à Nokia, ils ont peur. Oh, Mimba, c'est pas le moins là. Hein. Christ au temps, chrétien dans la voiture. C'est pas possible. Impossible. Impossible. Amen. Avant de partir, tu prends la voiture dans le sang de Jésus. Amen. Mais pourquoi tu as peur? Mon ami, pourquoi tu as peur? Eh oui, c'est moi, ils m'ont dit qu'il y a pas avec vous. Moi, pour. Amen. Qui ne mourra pas? Amen. Nous ne mourrons pas. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Amen. Dans la vie, il était. Subitement, l'avion a commencé par perdre l'altitude. Et tous les passagers étaient confus. Étaient confus dans l'avion. Subitement, le frère en Christ, il allait aux États-Unis, hein? Le frère en Christ, un centrafricain, a commencé par chanter. Et Dieu lui a donné un cantique et il a commencé par chanter. Un cantique spirituel, inspiré du Très-Haut. Quand il a commencé par chanter, en même temps, le pilote entendait le chant depuis la cabine. En même temps, le pilote a dit que en même temps, quand il a commencé par chanter, que l'avion qui perdait d'altitude a été redressé. Alléluia! L'avion a été redressé. Eux qui ont perdu le contrôle de l'avion, hein, en même temps, l'Esprit de Dieu a pris le contrôle de l'avion. Alléluia! L'autorité de Christ est là. L'autorité est en toi. Je dis, l'autorité est en quoi? En moi. Alléluia. Amen. C'est quand ils sont descendus, quand l'avion est descendu, a atterri,
le pilote est allé vers le monsieur. Il dit, monsieur, qui es-tu? Tu es aussi un enfant de Dieu. Tu sais, quand tu as commencé par chanter, en même temps, on a retrouvé le contrôle de l'avion. À cause de cela, je devais un chèque. Un chèque. L'avion n'a pas craché. À cause de toi, je devais un chèque. Et il a signé le chèque en dollars. Alors qu'il allait là-bas sans aucun franc. Waouh! Il a fait le chèque en dollars. L'autorité est là. Amen! Moi, enfant de Dieu, dans la voiture, tu as un accident? Jamais. Amen. Jamais. Amen. Enfant de Dieu, esprit de Dieu en moi, esprit immortel en moi. Hein? Et je serai dans la voiture. Il y en a même qui ne peuvent pas aller en carré. Vous savez ça? Qui sont ceux de carré ici? Hein? Les gens peuvent ne pas aller avec eux, vous savez ça? Les gens ont peur de faire la vie. Oui, il a les mains de doigts. Jésus en moi me tombera. Amen. Impossible. Amen. Impossible. Amen. Ça peut aller à gauche, à droite, mais Jésus en moi, ça va aller tout droit. Amen. Laisse Saül vivre du 21e siècle. Amen. Saül avait l'autorité de la faire exercer. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Du verset 4 au verset 11. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'en passa entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tissement et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Verset 11. Saül et tout Israël entendit cette parole du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Peureux, un roi peureux. Il y a des disciples de Christ peureux. Moi, enfant de Dieu, dans un quartier, ce n'est pas possible. Les gens n'y croient seulement capable. Il faut lui faire face. Il faut lui faire face. Il faut faire face aux démons. Nous avons reçu l'autorité, mes chers frères. Tu as l'autorité en Christ. Je ne suis pas que de déblayer le terrain. Hein? Je suis en train de déblayer le terrain. Examinez-vous. Où est ton autorité? Enfant de Dieu, où est ton autorité en Christ? C'est vrai, hein? Chaque homme est là pour souffrir. C'est-à-dire que nous vivons des situations difficiles. Mais où est ton autorité en Christ? Que faisons-nous de notre autorité? C'est la question qu'on se pose. Il y en a qui ne se marient pas parce que les démons ont décidé qu'ils ne vont pas se marier ou qu'ils ne vont pas se marier. Il y en a qui ne réussissent pas à l'école parce que quoi, les démons ont décidé.
J'étais une fois dans une séance d'interview. Interview en ressources humaines. On était en train de faire l'interview, on reçoit un salarié, et subitement, il dit qu'il a demandé d'être terrible. Qu'on l'a vu, en même temps, on a perdu le repère. On dit, oh, qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'il a demandé d'être terrible. Oh, comment se peut-il que tu as demandé d'être terrible? Non, que ça lui vient de temps en temps comme ça. Et il y avait parmi nous un autre frère en Christ. Le RH était un frère en Christ. Le RH de la société, le RH, c'est-à-dire c'est le responsable des ressources humaines, il se lève, il est allé dans la douche. Dans la douche, hein? Et après, il ressort de la douche et il vient s'asseoir. Et après, il me dit, il nous dit, donc, on va prier. Et on a commencé par prier. Et quand on a commencé par prier, il dit le démon. Le RH disait que le démon qui est derrière le mot de l'être, je le neutralise au nom de Jésus. Amen. À peine on a fini de prier, il lui pose la question. Tu as encore le mot de l'être? Il dit non, ça disparaît. Donc, en même temps, ça s'est passé l'année dernière, en même temps, on lui pose la question, tu as le mot de l'être? Il dit ça disparaît. Après, la séance, je vois le RH, je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Monsieur Bénissant, au fait, tu me vois dans les vies, je te vois. J'ai été une fois aveugle. Il dit quoi? Tu étais avec toi, tu dis. Toi qui étais avec lui, je dis, j'étais aveugle. Toi qui étais avec lui. Non, tu ne voyais pas. Il dit non, tu ne voyais rien du tout. Parce que moi, il était tellement intelligent à l'école. Qu'on a passé pour l'aveugler spirituellement et cela s'est reproduit sur le plan physique. Depuis ce temps, quand il a reçu Christ Jésus, que quelqu'un a prié pour lui et qu'il a pris que ses yeux ont été ouverts, depuis ce temps, il voit derrière tout événement de l'homme la main de démon. Vous me suivez un peu? Tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, il voit derrière automatiquement les démons en train d'agir. Donc quand le monsieur a dit ça, ça l'a irrité à l'intérieur. Et il s'est levé. Qu'il n'est pas allé dans la toilette pour laver les mains au piscine. Qu'il est allé prier. Quelle prière? Il est parti prier en langue. Il y en a qui ont le Saint-Esprit ici qui s'amuse avec. Il est allé juste prier en langue. Qu'il a prié en langue. Toi, tu as prié en langue. Il dit non, juste 5 minutes, 5 minutes. Qu'il a prié juste en langue en 5 minutes. Et qu'il a prié en langue, il a reçu Jean au bêtement de l'esprit. Amen. Il est venu. Il dit, bon, laissons ça, mon ami. Tu as quoi, mot de tête? Ok, tu es sûr que quand je vais prier maintenant, tu seras guéri? Il dit oui. Tu es sûr? En fait, le monsieur doutait un peu. Tu es sûr? Il dit oui. Ok, baisse ta tête. Il a prié en même temps, le démon est parti. Nous avons l'autorité. Amen. Je dis, hein, nous avons l'autorité. Amen. Alors, on va vers la fin. Vous êtes prêts? Est-ce qu'ils sont prêts, les amis là? Vous êtes prêts? Oui. Les disciples. Qui met du job ici? Dis-moi qui? Le job n'a pas levé bien la tête. Oh là, job, les jobistes. Où sont les jobistes? Levez la main. Qui met du job? Mais est-ce que vous subissez des situations? Hein? Qui veut salut? Qui? Tu veux salut? Tu veux salut? 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 Tu veux toi? Hein? Hein? Anne. Les disciples recherchés par Dieu aujourd'hui. Je vais vous montrer l'exemple de trois disciples. Trois. Et après, je vous dirai ce que Dieu m'a dit de vous communiquer. Amen. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit de vous communiquer. Viens, soldat, sort de l'homme, in the name of Jesus. We shall come, hallelujah. We are soldiers. Soldiers.
personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui, le petit David. Nous sommes des soldats du Seigneur. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas. Regarde-moi dans Saül. Saül dit, le roi sans autorité. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. C'est vrai, c'est un enfant. Et il est un homme de guerre. Depuis, dès sa jeunesse, c'est vrai, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de ton père. Et quand un lion ou un ours venait, en enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tous les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et il a fait. David l'a fait. David a tué le Philistin. Par quoi? Par une pierre. Et après, il a couru pour s'arrêter au-dessus du Philistin. Il a tiré son épée. Il a coupé la tête. Ce qu'il a dit, il a fait. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu désire de nous. C'est ce genre de disciples, des gens qui n'ont pas peur et qui font face aux situations dans la prière, qui prient jusqu'à ce qu'ils aient une solution. Des gens qui n'ont pas peur de tenir dans la prière. On le verra durant tout le mois. Je vais vous montrer des choses qu'on aura à faire. Durant tout le mois, je vais vous montrer des choses qu'on aura à faire durant tout le mois. Mais je vous assure, je vous demande, hein, suivons réellement l'étude. Mettons-la en pratique et vous verrez le changement dans votre vie. On va prendre l'exemple suivant. Là, c'est deux exemples, c'est deux disciples en même temps. On va prendre Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Le verset 1. Luc chapitre 9, le verset 1. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, vous avez vu, il a assemblé combien? 12. Les 12, leur donna quoi? Force et pouvoir. Sur tous les démons, force et pouvoir. Ce n'est pas qu'il leur a donné ça physiquement, hein, c'est spirituellement. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Disons maintenant le verset 6. Verset 6. Les 12 partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Disons maintenant le verset 51 à 55. C'est là que se trouve l'exemple. 51 à 55. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous savez, pourquoi ils ont dit ça?
Ils avaient aussi l'autorité de Jésus. Hein? Ils avaient aussi quoi? L'autorité de Jésus dans le chapitre 9, le verset 1. Ce qui fait que quand les gens se sont opposés à Jésus de résider à Samarie, ils ont dit à Jésus, Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ce n'est pas une autorité qu'on vous confère physiquement, c'est une autorité spirituelle. On a conféré ça, on les a conféré cela. Voilà pourquoi vous pouvez demander à Jésus. On peut demander le feu de descendre sur eux. Mais Jésus ne l'a pas permis parce que quoi? Jésus n'a pas voulu que les âmes se perdent. Vous comprenez? Nous avons l'autorité. Je vous dis, nous avons l'autorité. Mais la question, où est passée ton autorité? Est-ce que tu exerces l'autorité réellement de Christ? Dans ce que tu vis là, est-ce que tu l'exerces? Est-ce que tu sens que tu as autorité sur les démons? C'est la question qu'on se pose, c'est la question qu'on doit se poser. Alors, voilà ce que Dieu me demande de vous dire. Soyez prêts. Soyez prêts. Lisons, on va aller dans la parole de Dieu. Dans Psaume 68. Psaume 68. Le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Écoutez ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je dis, hein? Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Ne sois plus un chrétien faible. Ne sois plus un chrétien à l'image de Jean. Ne sois plus un chrétien à l'image de Saül. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Notre Dieu est un Dieu de puissance. C'est un Dieu d'autorité. C'est un Dieu qui nous permet, quand nous prions, il agit. Tu agis. Il y en a qui ne croient pas, mais je dis que tu agis. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Maintenant, il a ordonné que tu sois puissant. Qui reçoit la puissance? Oh, nous sommes sincères. Qui ressent la puissance? Est-ce que tu ressens la puissance? Hein? Qui ressent la puissance? Est-ce que tu ressens que une force est rentrée en toi? Est-ce qu'on a ressenti ça? Mais c'est spirituel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous devons maintenant croire à cette parole et l'exercer. On va se lever. On va se lever. Mes frères, on va aller à Dieu dans la prière. On va se lever et nous allons prier. On va lire ensemble ce verset. Psaume 68, verset 29. Que chacun prenne la parole de Dieu, sa parole, et on va lire. Tu vas dire, mon Dieu. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. 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 Je le serai. 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 Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je le serai. Selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Je
soldat est là pour quoi? Le soldat est là pour quoi? Quand il est là, c'est pour quoi? Pour combattre. C'est pour combattre. Et c'est pour quoi? C'est pour détruire. Hein? Oui, il y a soldat. Ah, on se rend compte là. Soldat, soldat, gloire à vous. Il est même en Jésus. Oui, chacun. On va casser les choses, on va briser les choses, on va renverser les situations. Renversons maintenant au nom de Jésus. Renversons les situations difficiles dans ta vie au nom de Jésus. Renversons maintenant au nom de Jésus. Nous sommes des soldats de Christ. 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 Change la situation.
ce soir, tu vas dire à Dieu ce soir. Ce soir. Tu vas dire à Dieu. Hein, écoutez-moi bien, tu vas dire à Dieu. Toi-même, tu vas dire à Dieu et après, je vais prier pour vous. Seigneur, dans ta prière, tu vas demander à Dieu ceci. Je veux que d'ici la fin de ce mois, que je sois revêtu de ton autorité. Dis-le à Dieu maintenant. Je veux que d'ici la fin de ce mois, que l'autorité que tu m'as conférée, de nous parler de l'autorité de Jésus-Christ que tu nous as conféré. Amen. Oh Dieu!